wilt je dan? Dat is doen, zakken mij gerust laat. Allemaal. Had het moeilijk. En dan zal het nog moeilijker krijgen. Quand on parle de moi, on mentionne souvent Brussels by Night, qui est un film qui a une certaine renommée, qui a été dans des festivals internationaux. C'est évident que c'est un film que je renie pas, que j'ai beaucoup aimé à faire. Je l'ai fait très innocemment, je ne savais pas qu'il allait exister. On l'a fait comme ça, en pensant qu'on va le montrer une fois aux amis. C'est jamais monté comme un film, un vrai film. Et puis le film qu'on donne ici, Sailors Don't Cry, c'est un film que beaucoup de gens détestent. C'est un film assez... Il est trop gentil, il est trop poétique, selon certains. Il est trop beau. On dit que... On avait une idée de moi que j'étais le garçon qui faisait les films la nuit avec des gens un peu marginaux. Et ici, c'est un film d'amour, au fond. J'ai toujours dit, les gens qui détestent ce film, ils me détestent. Parce que c'est moi, ce film. Je suis plus sentimental que homme de la nuit qui est dans les bars la nuit, parce que la nuit je suis souvent dans mon lit, enfin toujours. Je ne suis pas quelqu'un qui prend des grandes décisions. Je n'ai jamais acheté une maison, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de voiture. J'ai beaucoup de choses comme ça que je me ressens, que je ne fais pas comme les autres. Bien que je ne fais rien de spécial, mais je n'ai pas ces grandes urgences. Quelqu'un m'a dit, enfin c'est pas quelqu'un, c'est pas n'importe qui, c'est Hugo Claus, le grand écrivain, il a dit à un homme dans sa vie, il faut qu'il abatte, qu'il plante un arbre, qu'il ait un fils et qu'il tue un lion. Et moi, je disais à Hugo Claus, je ne fais rien de tout ça. Jamais, je n'ai jamais aucun de ces... Donc, je ne suis pas un homme. Il rigolait, mais c'était pour dire que... Enfin, lui, par exemple, il aimait le film. Après la projection, il m'a dit que c'est un très beau film. Et il a encore dit, parce qu'il est très beau, beaucoup de gens ne vont pas l'aimer. Il dit, fais attention aux gens, ne le montre pas trop à des méchants. On fait souvent le même film quand on est cinéaste, quand on est auteur, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui vous pousse à faire le premier film, et je vois ça chez beaucoup d'auteurs. Et moi, oui, même les autres films, cet élément est là, qui est un personnage pas bien ajusté, qui a peu d'ambition. C'est une des choses que j'aime bien dans la vie. J'aime bien rencontrer des gens qui n'ont pas d'ambition, qui veulent juste vivre. J'aime bien des gens qui, normalement, qui ne sont pas admirés. L'homme sans visage, j'aime bien ça. La VRT demandait si on voulait faire un documentaire sur... La série s'appelait Tabou. Donc il fallait faire une proposition sur un tabou. Et moi, je dis, je vais écrire sur ce qui me gêne le plus dans ma vie, c'est l'obésité. Parce que c'est un truc qui me gâche pas ma vie, mais qui implique beaucoup de choses dans la vie. Et j'ai dit, je veux trois niveaux. Je veux le niveau personnel, je veux parler de mon obésité. Je veux le niveau médical. Et je voulais aussi une couche historique. Et c'est un film que, au fond, j'aime bien, parce que c'est très honnête. Et en plus, j'ai appris, pas toutes les astuces du documentaire, mais j'ai beaucoup aimé de filmer avec les images des autres. De faire un film, construire un film avec 80% des images sont faites par d'autres. J'ai fait un autre documentaire sur Canvas, sur toutes les rues où j'ai habité dans la ville. C'est un film de 7 minutes qui s'appelle Musée sentimental. Là aussi, Canvas avait dit, il y a deux choses que tu dois respecter. C'est 7 minutes, pas une seconde de plus long, et il y a 7000 euros pour tout. Et j'ai pris un caméraman. Et je suis promené dans la ville, toutes les maisons dans cette ville où j'habitais. C'était 14 en total. On a photographié ces maisons. J'en ai choisi 7 pour les 7 minutes. Et donc, on est reparti avec lui et on a photographié, filmé mes maisons où j'habitais. Et après, j'ai écrit un texte sur ces maisons. Une ligne, deux lignes par maison pour dire ce que ça avait signifié pour moi. Et j'ai donné ça à un ingénieur de son. Là, j'ai lui dit, tu peux faire ce que tu veux. Tu fais une bande son sur ce film. Et donc, à partir de rien du tout, à partir de silence, il a fait une bande son de 7 minutes
que je trouve vraiment très très bien. Donc ces trois trucs ensemble, les images de Jonathan, mes phrases clés et la bande-son, c'est un de mes films préférés. Parce que ça va vers les films que j'aimerais faire. Je dis jamais que je ne filmerai plus, mais je dis bien que je ne ferai plus des films avec des grandes machineries, avec des équipes de 150 personnes. Où il faut boucler les rues, il faut arrêter les trains. Je crois que je ferai des films chez moi, peut-être même seulement dans la cuisine. Quand on m'a annoncé, je trouvais que peut-être je ne le méritais pas encore. En plus, c'était un cadeau d'anniversaire, parce que j'ai eu 70 ans cet été, et j'avais dit je veux rien du tout. Mais en parlant aux gens de la Cinémathèque, j'ai mentionné ça, et ils m'ont proposé une carte blanche. Mais pendant la première discussion avec Micha, ici dans la Cinémathèque, sur ce qu'on allait programmer, il m'a dit tu peux aller de 15 à 20 films, mais pas trop, pas. Au-delà, ce serait difficile. J'ai pas dû chercher longtemps. J'avais plutôt 30 films et j'ai éliminé. Mais il fallait un, et c'est Le jour se lève. C'est un film que la première fois que je l'ai vu, m'a beaucoup impressionné, sur plusieurs niveaux. Et ça, j'ai fait le test chaque fois que j'ai vu ce film, depuis les années 60. J'ai souvent demandé, est-ce qu'il va vieillir? Est-ce qu'on va sentir que c'est un vieux film? Et on le sent pas. Et c'est pour ça. Si j'avais choisi que un, ce serait celui-là. Et les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.